Mais elle pète sa mère cette intro. Oh pardon. Bonjour. Non, y a pas de yep pas aujourd'hui. Je déconne, yep. Bonjour, bienvenue, merci de faire un tour sur la chaîne. Je vous demande pas si vous allez bien, j'espère que oui, sinon t'as rien à faire sur YouTube à régler tes problèmes, frérot. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui, un petit entraînement, un petit tuto, même si on n'est pas les champions du monde, hein, frérot. On sait qui c'est les champions du monde. Narvalo, ok, nous on est des petits noobs. Mais quand même, avec Juju, qui m'accompagne dans cette vidéo. Juju! Il est pas là. Mais il est quand même là, il est dans le cœur, t'inquiète, et il est présent dans le gameplay. Frérot. Ah ouais, je suis pas dans le thème du tout. J'avais pas, frérot, je prends ce que j'ai. Daron est chez Merco, il n'est pas chez BM, je prends ce que j'ai. Bref, aujourd'hui, on vous explique comment apprendre, débuter dans le tandem. Donc, je vais vous parler de l'entraînement et du rec replay. C'est parti, on commence tout de suite. Je vous conseille de vous trouver un binôme avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous, pourquoi pas, vous me jouez depuis quelques temps, qui vous entendez bien, qui a un micro, avec qui, voilà, vous pouvez vous entraîner. Et, ou plusieurs, hein, c'est pas grave, vous pouvez se changer, mais je conseille quand même de jouer avec la même personne. Bref, vous pouvez le faire à 4, à 6, mais pour s'entraîner, c'est bien à 2 pour les replays. Vous pouvez faire des petites teams de 2, etc. Bref, vous vous mettez dans un lobby multijoueur, amis uniquement, de manière à ne pas être embêté par des trufions. Ensuite, vous sélectionnez, je vous le recommande, c'est toujours pareil, ça n'engage que moi, de prendre les mêmes véhicules. Je vous conseille M3 2007, M4, pour ce qui est des Allemandes, pour les Japonaises, vous avez la S15, la RX-7, la Supra, enfin des voitures, il y en a plein. Mais voilà, prenez en tout cas une voiture avec laquelle vous êtes à l'aise tous les deux, qui est réglée à peu près de la même manière, qui a la même prépa, etc. Je vous explique vite fait pourquoi, parce que le timer, ça fait 3 fois que je recommence la vidéo, 3 fois mon ordi crash, et je parle plus, vous me connaissez, je parle plus que le timer de vidéo, donc ça fait crasher mon PC. Bref, là, une fois de plus, tu parles encore plus. Connard. Vous pouvez prendre les voitures que vous voulez, mais pourquoi les mêmes véhicules en termes de modèles? Parce qu'en fait les lignes de carrosserie, si vous prenez une vieille américaine par exemple et une voiture récente, quand vous allez être en contact propre comme ça, ça va quand même vous faire de la merde. Si je fais comme ça, c'est pas pour faire coucou, hein, néné, c'est pour vous montrer les angles des vésicules. Donc, alors que si vous avez les mêmes bagnoles, en ligne de carrosserie, quand ça va commencer à se toucher, ça a une certaine cohérence. La Nova, pour ça, tu peux pas l'élargir en carrosserie, il n'y a pas un élargisseur, il n'y a pas un mouvement de caisse, elle est droite. La Nova, par contre, pour la régler, bonne chance, je sortirai de réglage bientôt. C'est prévu, américaine, c'est prévu. Mais voilà, la voiture, elle est super plate, super. Elle est comme mes mains, la Narvalo. Donc, quand tu touches, c'est parfait. Je continue, rouler au radar. Le radar, qu'est-ce que c'est? C'est la petite chose en bas à droite quand il y a le SCT, etc. Vous pouvez faire des filets, ça vous permet de voir où est votre pote sans regarder dans le rétro. C'est tout bête. Prenez un circuit sur lequel vous êtes à l'aise. On vous donne des petits conseils avec Juju, Tsukuba, Kyoto, Alsace. C'est pas mal pour débuter. Il y en a d'autres, mais comme je vous dis, le timeline, il n'a pas le temps. Et vous non plus. Tac, tac, tac. Rapidement, pneu confort dur. C'est des rappels, ça. Hein. Assistance, tout à zéro. Paramètres manette, 7, 2, 2. La source, c'est mon cahier. Hein. C'est pas... Il n'y a pas ma fille qui me nique mes trucs. Mais il n'y a pas de téléphone, les gars. Tout vient de Juju et moi. Bref, je continue. Alternez les positions. Votre lobby, vous le mettez à 2 tours, ou 4 tours, ou 6 tours. Toujours en paire, hein, en tandem, frérot. Et à chaque tour, vous alternez. Un coup, c'est moi devant, un coup, c'est moi derrière. Un coup, c'est toi devant, un coup, c'est toi derrière. Voilà. Voilà pour ce qui est au niveau de l'entraînement. Là, on passe au sérieux, au replay, au tryhard. D'ailleurs, en parlant de tryhard, on a un nouveau slogan avec Juju pour la chaîne. Écoutez bien, soyez acteurs et non spectateurs. On tryhard au gameplay, on profite au replay. Propulsion 38 2022. Prix Goncourt. Pour le replay et le rec, choisissez un climat sec. Moi, je passe du coq à la time. Il faut que je bombarde, je vous dis, je vois le timer, j'ai le track. Climat sec et de jour de préférence pour tout ce qui est replay et même pour l'entraînement parce que la nuit c'est pas très visible. Après pour les photos et tout c'est super la nuit hein, mais là on est vraiment sur quelque chose de pour débuter et pour que ça soit propre autant à l'entraînement qu'au replay. Alternez les positions je l'ai dit, cherchez pas à bombarder, ça ne sert à rien. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans le technique. Le comportement à adopter. Pour celui qui est devant, il roule le plus tranquille possible, mais en faisant des grands prolongements, des beaux drifts propres. Arrêtez de faire des appels, faut pas faire des appels clac, 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 clac. Et là, je parle notamment pour celui qui est derrière. Donc celui qui est devant, il s'occupe pas de son rétro, il y a de son radar s'il veut voir où est son pote et l'attendre, ou accélérer. Vous pouvez vous parler également, ça sert beaucoup. Mais celui qui est derrière, lui, il doit gérer gaz et frein, mais surtout, faut pas qu'il fasse 20 millions d'appels, parce que si ton pote il est propre, frérot, et qu'il bombarde et que toi t'es là en train de faire 20 millions d'appels, ça passera pas. Et pour faire une belle courbe en real tandem, gros, celui qui est derrière, faut qu'il vienne, vous avez dû le voir dans la vidéo, faut qu'il vienne se coller au cul de son pote. Dès que son pote il lance, et là ça va être propre. C'était le cahier. Si celui qui est derrière, il fait 10 millions d'appels, alors que celui qui est devant il est propre, tu rattraperas jamais ton frérot, mon vieux. Tu resteras toujours derrière et jamais collé. Donc voilà, je vais vite, mais je vous le rappelle, hein, vous avez compris. La concentration, c'est vachement important, je vous ai dit, hein, voilà. Pour le poursuivant, gère bien ton gaz, néné, et gère bien surtout ton frein. Voilà, je vais faire un petit récapitulatif, parce que dans les grandes lignes, tout est dit. Pour le véhicule, ah si, non, j'oublie quelque chose. Pour bien rec vos replays, là je parle à ceux qui veulent commencer à créer du contenu ou ce genre de choses. Pour bien rec un replay, vue extérieure, vue rediffusion, focus sur le poursuivi, donc celui qui est devant, oui je vérifie c'est ça. Et vue intérieure, donc vue cockpit, focus sur le poursuivant, donc sur celui qui est derrière. Si vous voulez vraiment avoir les deux véhicules, les deux poteaux dans votre plan record, faites comme je viens de vous dire, c'est pratique. J'arrête de répéter parce qu'en vrai, des fois, je répète 8 fois les mêmes choses. On est sur une petite chaîne, frérot. Ici, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a que du balécouillisme. Donc, je m'excuse pour ceux qui se disent « Putain, mais gros, mais elle pourrait être bien ta vidéo, mais c'est de la reine. » Donc, je m'excuse d'avance. Je regarde un petit peu parce que j'écris dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Les deux dans le champ visuel, je vous en ai parlé. Le radar, c'est très très important. Focus caméra, c'est fait. Les véhicules, c'est fait. Salon privé, c'est fait. Pensez à faire les mêmes réglages. Pensez à prendre un véhicule avec lequel vous êtes à l'aise. Si vous avez des questions, je reste disponible. Les commentaires sont faits pour ça. Et d'ailleurs, je vous remercie énormément parce qu'on n'a plus du tout de rage, ni de haters, ni de trous de cul dans les commentaires. Vous êtes vraiment géniaux. Je vous dis un grand merci. C'est la troisième fois que je fais le commentary. Sur les trois, croyez-moi, il y en a un, il était ultra propre. J'ai vu mon PC crash. Je me suis dit, allez, vas-y, arrête. Et en vrai, non, il y en a qui veulent me décourager. Même mon vieux PC veut me décourager. Il en faudra beaucoup plus, les nénés. Je sais pas si j'ai mis de la musique ou pas, parce que je voulais vraiment vous faire quelque chose d'assez propre. C'est pas vraiment réussi, mais on commence. À suivre, je vous le dis à chaque vidéo, mais les invitations pour le Battle Royale ça arrive bientôt parce que oui je reprends pas mon compte principal, c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu de photos les gars, je voulais vous annoncer, je reprendrai pas mon compte principal, je garde ce compte là, je vous fais des gros bisous, c'était Sissi parce que la chaîne s'appelle Propulsion, moi c'est Anto ou Sissi pour ceux qui me croisent dans les salons multi. Big up l'équipe, merci à ceux qui s'abonnent pour cette vidéo.